Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette soirée anniversaire, puisque ce soir, les Salons du Four fêteront leur 10e anniversaire. Alors, pourquoi les Salons du Four, la genèse, en fait, la création de ces Salons du Four, qui datent du 5 décembre 2009, date à laquelle, pour la 10e année, je venais avec l'association des romans des fourriers suisses section Genève, dans le local de l'Association suisse des sous-officiers section Genève pour fêter l'escalade autour d'une fondue. Et ça, c'était la tradition où, depuis des dizaines d'années, les fourriers allaient chez les sous-officiers pour cet événement. Et puis, ça faisait une dizaine d'années que j'étais là. J'ai même eu des problèmes la première année à trouver la maison parce que le chauffeur de taxi ne connaissait pas l'endroit. Et à chaque fois que j'allais manger, je disais à mes amis, écoutez, moi, ce soir, je vais manger chez Dufour, vous ne comptez pas sur moi. Et je me suis dit une fois, fais pas le malin, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va te demander qui c'est et tu seras bien embêté. Parce que, réminiscence d'un subconscient collectif, le nom de Dufour me disait quelque chose, mais pour le reste, les informations étaient aussi fraîches que la soupe au lait de Capelle, dont je me rappelais que vaguement que c'était une soupe au lait, puis qu'elle avait été faite pas loin de Capelle. Mais pour le reste, je n'avais pas beaucoup de souvenirs. Et je dois dire que j'ai des circonstances atténuantes puisque j'ai fait mes études en Valais et puis que, ayant été vaincu au Sonderbund, eh bien, nous passions allègrement l'histoire de l'autre côté de la frontière, du côté de la Révolution française. Petite anecdote, les archives d'État du canton du Valais ne retrouvaient plus l'acte de reddition du Valais. Et donc, c'est moi qui leur ai remis une copie à l'occasion du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération, grâce à la complicité de Barbara Roth-Lorchner, qui travaillait au département des archives privées de la bibliothèque de Genève. Et donc, cette année 2009, je me suis dit, t'as une année jusqu'à la prochaine fondue pour en savoir un petit peu plus sur ce personnage. Et là, alors, je dois dire que j'ai été subjugué. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment la personnalité qui manque à la Suisse aujourd'hui. Et comme toujours, quand je m'intéresse à un sujet, eh bien, je prends des photos, je les mets sur un PowerPoint, et puis, vu l'intérêt croissant pour le personnage, ce PowerPoint est devenu un album du four qui faisait à peu près 87 pages en son temps. Aujourd'hui, il a été réduit à 70. Je me suis dit, bon, ben, c'est bizarre, parce que si personne ne me demande qui est du four, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'osent pas demander qui c'est parce qu'ils sont censés connaître le personnage. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas le mettre en ligne et le partager avec d'autres sur le site de Patrimoenia. Cette année-là, en 2009, ayant eu contact avec le président de la Fondation Maison du Four, je lui aurais proposé de venir avec Patrimoenia avoir un local à la Maison du Four. Et il m'a mis en attente pendant une année parce que Patrimoenia était un département culturel, mais d'une société financière, et ils n'étaient pas trop à l'aise avec le sujet. Le 25 août 2010, j'ai un premier contact avec les descendants de Dufour. C'était le petit-fils d'Olivier Reverdin, Arnaud, à qui j'explique les grandes lignes du projet. Et le 5 septembre 2010, Salomon Rizzo, mon conseiller patrimonial, que je suis content d'avoir avec nous ce soir en présentiel à la Maison Dufour, me dit « Il y a Jean-Jacques Langendorf, le biographe de Dufour, qui est à Morges au château, pour dédicacer son livre sur les châteaux des croisades » dans le cadre des livres sur les quais de Morges. Et donc, nous voilà là-bas, et moi avec un livre qui datait de 1987, et je vois un Jean-Jacques Langendorf tout surpris de voir un extraterrestre, il pourra peut-être nous dire quelque chose tout à l'heure là-dessus. Et on boit un verre avec Jean-Jacques à la fin de la manifestation, et on parle un petit peu de ce projet, un peu de déboussiérer du four et d'en reparler, puisque des gens comme moi découvrir tout court ce personnage. Et il a trouvé l'idée assez intéressante et on avance avec ce projet en automne de la même année, en deuxième contact avec la famille Reverdin. Cette fois, c'est Jacques Reverdin, le président de la Fondation des Archives du Four, qui est intrigué par la démarche, qui est curieux de voir un petit peu qui c'est ces gens qui veulent lancer cette idée et qui est perplexe d'ailleurs à l'idée que le public puisse être intéressé, mais qui n'aimait pas d'objection par rapport à ce projet. Et Salomon Rizzo revient en disant, ben voilà, le 6 novembre, il y a un colloque
sur le radicalisme, et il y aura plusieurs des auteurs d'un colloque qu'il y a eu sur le général Dufour et qui avait paru en 1987. Il me dit, on devrait aller là-bas parce qu'il pourrait rencontrer un petit peu ces gens-là. Et me voilà avec mon livre de 1987, toujours en 2010, et je vais demander aux gens qui ont écrit les chapitres de me dédicacer leurs chapitres en leur susurrant une proposition d'intégrer une commission historique. Et à ma grande surprise, eh bien, certains ont accepté. En fin d'automne, la Fondation accepte ma demande d'intégrer la Maison Dufour et me refile un local à la cave, mais en tant que Valaisan, d'avoir un local voûté dans une cave d'une maison comme celle-là en plein centre-ville, eh bien, on a foncé sur l'occasion et on a retapé à nos frais le sol, la peinture et l'électricité, et ça donne ce joli local qui est toujours aujourd'hui le fief des salons du four. Et le 18 janvier 2011, 7 personnes, dont Jacques Reverdin et René Tonnet, président de la Fondation de la Maison du Four, se réunissent autour d'un buffet valaisan, évidemment, dans le Carnotset de Patrimonia, et on lance officiellement les salons du général Dufour avec, excusez du peu, siège social Maison Dufour. Et le concept était de permettre à des amateurs d'histoire de se réunir là où l'histoire s'est passée, dans la Maison Dufour, en l'occurrence pour une partie de cette histoire, et entendre une conférence et tenir une causerie un peu à la façon des salons de Madame de Staël et de finir à la Valaisanne autour d'un verre. Et le 28 janvier 2011, René Tonnet confirme officiellement le soutien de la Fondation de la Maison du Four. Le 22 février 2011, on réunit la commission historique autour d'une raclette, évidemment, pour faire connaissance, et on a 18 personnes, dont 13 historiens, et notrehistoire.ch qui est en ligne ce soir. Et dans cette équipe, ben, il y en a deux qui sont décédés, et j'ai une pensée très émue pour Marie-Eurie Fonneau, qui nous a quittés voici quelques jours, et plusieurs sont en ligne, et quelques-uns sont présents. Et à ma grande surprise, certains historiens ignoraient l'existence de la Maison du Four, et d'autres, comme Jean-Jacques Langendorf, n'avaient jamais pu y entrer, ayant toujours trouvé porte close. Le 7 mars 2011, Jacques Reverdin confirme officiellement le soutien de la Fondation des Archives du Four. Et le troisième rendez-vous de les pré-salons, que j'appellerai, c'est le 22 mars. Pendant 2 heures devant des membres des sociétés de la Maison du Four qui ne connaissaient pas forcément le général, eh bien, j'ai présenté l'album de photos que j'avais fait sur Dufour. Et le 6 mars, je réitère cette opération avec du public, avec une version raccourcie et plus digeste de la version du 22 mars. Et le lundi 2 mai 2011, eh bien, honneur oblige au biographe de Dufour, Jean-Jacques Langendorf vient nous présenter G.H. Dufour et la culture militaire de son temps. Et vous pouvez retrouver la vidéo de cette journée, comme toutes nos vidéos d'ailleurs, sur le site www.salon-dufour.ch, et aller après sur l'agenda de l'année en question, et puis défiler mois par mois, en sachant que le mois le plus ancien est tout au fond. En avril 2011, le président de la Fondation, sans doute touché par ce dynamisme et cet engouement soudain pour le général, me propose d'intégrer le conseil de fondation qui me nomme secrétaire. À sa création, le 15 mars 1991, on va célébrer au mois de juillet, j'espère, pour la Garden Party, les 30 ans, eh bien, deux descendants de Dufour sont membres du conseil. On a Olivier Reverdin, président de la Fondation des Archives du Dufour, et Ernest Martin, que vous voyez la flèche de rouge la plus haute, qui était la dernière famille qui a habité la Maison Dufour jusqu'en 1965. Et j'ai proposé au conseil de réintégrer les descendants de ces deux personnes, et j'ai aujourd'hui au conseil Jacques Reverdin, président de la Fondation des Archives du Four, et j'ai Claire Payot-Martin, une des enfants de Ernest Martin, qui me permet d'avoir à la fois les archives et l'âme de la maison au sein de la Fondation.
Le 29 avril, le président Tonnet, atteint dans sa santé, se retire du Conseil et propose ma nomination comme président, qui est acceptée. Et depuis cette date, président à la fois les Salons du Four et la fondation de la Maison du Four, eh bien, on a pu organiser un certain nombre de synergies. Ainsi, le troisième but de la fondation, qui est de parler de Guillaume-Henri Dufour, est délégué au Salon du Général Dufour, qui est mieux équipé avec sa commission historique, qui aujourd'hui compte 35 membres, dont 2 offices fédéraux, 8 archives cantonales et de nombreux historiens ou spécialistes liés à l'histoire, à son enseignement et à sa diffusion. De l'autre côté, les activités des Salons du Four engendrent un intérêt croissant pour la Maison du Four et renforcent ainsi le premier but de la Fondation, qui est de préserver, mettre en valeur et faire découvrir la Maison, qui s'ouvre de manière plus spontanée au public grâce à l'arrivée de nouvelles associations patrimoniales qui complètent le deuxième but de la Fondation, qui est de mettre la Maison à disposition d'associations qu'elle juge utile d'héberger. Parallèlement, les Salons du Four tissent de précieux contacts, notamment avec la Bibliothèque de Genève et d'autres associations historiques, ce qui lui permet de compléter ses recherches et de les mettre à disposition. C'est ainsi que du 1er au 31 juillet 2017, la Fondation Albert Cohen de Corfou, que je salue, qui sont en ligne et à qui je passerai la parole tout à l'heure, organise une exposition sur Dufour intitulée Dufour, les années à Corfou, 1810-1814. Et on voit ici à gauche tout le groupe qui était là, à la fois des salons et la Fondation Albert Cohen, et à droite la partie officielle avec l'historienne de notre commission historique à la base de la démarche qui était Michel Bouvier-Bron, avec le président Gurgas, qu'on va entendre tout à l'heure, de la Fondation Albert Cohen, l'ambassadeur de Suisse Hans Rudolf Odell. Et puis, à côté de moi, Tenia Rigaku, qui est la commissaire d'exposition. Ce lien étroit entre la Fondation et les salons nous permettent également d'organiser des événements d'une certaine envergure, comme la pièce de théâtre Dufour chez Dufour, jouée du 6 au 17 septembre 2017, dont vous verrez quelques extraits tout à l'heure dans la présentation, écrite magistralement par Jean Viniger, qui est avec nous en présentiel ce soir, en uniforme de Dufour, s'il vous plaît. Et puis, en 2018, nous avons simplifié le nom de la Fondation pour la conservation de la Maison du Général Guillaume-Henri Dufour en Fondation Maison Dufour, pour l'harmoniser avec la Fondation Archives Dufour. Et le dépôt des Archives Dufour à la Bibliothèque de Genève en 2015 nous a permis de resserrer les liens encore plus étroitement avec cette institution, et j'en profite pour saluer Dominique Sardet, son directeur, et Nicolas Chetti, son collaborateur qui est membre de notre commission historique. La dynamique qui a été mise en place ces dernières années et la venue de nouvelles associations actives au sein du Cercle Général GH Dufour ont contribué à drainer de plus en plus de public qui vient découvrir maintenant cette maison, et nous avons dès lors entrepris en 2018-2019 de rénover la maison, et grâce au soutien d'une fondation privée de Genève et de la Loterie romande. Et à cette occasion, l'ancienne chambre à coucher du général Dufour, transformée dans l'intervalle en toilette, a retrouvé une affectation plus appropriée, puisqu'elle abrite aujourd'hui la bibliothèque des Salons Dufour et son centre de recherche. Cette maison appartenant à la ville de Genève, je profite pour saluer Jonathan Buzzini, qui est le secrétaire général de la ville de Genève et qui représente la ville au sein du conseil de fondation. Faute de temps, car on a un horaire strict à respecter, toute la revue des conférences de ces 10 dernières années sera différée à notre salon rétrospectif du 14 décembre 2021 autour d'une raclette. Mais on peut déjà citer la pose de 2 plaques dédiées à Dufour, le 30 juin 2012 au château de Montretier, ici avec Alain Reverdin et Noël Languin-Martin, les descendants de Dufour, et le 1er décembre de la même année à la rue Étienne-Dumont, en souvenir de la publication du souvenir de Solferino, puisque l'éditeur était à la même adresse que Dufour.
à citer aussi la réplique qu'on avait fait de la réplique de Dufour de 1851 de l'expérience du pendule de Foucault, qu'on avait organisé les 15 et 16 juin 2013, l'exposition de l'uniforme de Dufour incorporé, qui n'a pas été une sinécure, la rénovation du cadran solaire de Dufour, du fauteuil qui a été offert par Jacques Reverdin, et du lit du général qui nous a été offert par Isabelle Hirley-Martin, une autre de ses descendants. Et on a joué aussi la pièce de théâtre « 10 ans chez Dufour » de l'incontournable Jean Winiger, joué le 28 et 29 août de l'année passée à l'occasion des 175e anniversaire de la Maison Dufour et des 60 ans de la mort du général Guizan. Un regret, avoir été écarté des manifestations du bicentenaire de l'École militaire fédérale centrale de Thun, organisée à Lucerne et à Thun en 2019, école que Dufour avait cofondée et où il avait officié comme instructeur puis comme directeur et où il eut comme élève un certain Louis-Napoléon Bonaparte. En conclusion, je dirais que cette conjonction des salons du général Dufour et de sa commission historique, de la Fondation Maison Dufour, de la Fondation des Archives Dufour et de la Bibliothèque de Genève, nous permet aujourd'hui de nous profiler comme une des meilleures références actuelles sur le général Dufour. Donc le général Dufour peut donc se détendre. Il est débarrassé pour un moment de la poussière du temps et demain est un autre jour et j'en appelle à la relève afin de continuer à porter la flamme. Merci à vous tous, membres et amis des salons, qui, par votre soutien et votre intérêt, rendez nos rendez-vous mensuels possibles. Je vous dédie ce 10e anniversaire et le gâteau qui va avec, que je partagerai avec mes invités tout à l'heure. Je voulais encore juste présenter mes collègues du comité qui travaillent toujours dans l'ombre, Jean-Pierre Barras qui est avec nous ici, notre vice-président, Michel Fontanin, notre secrétaire, trésorier et technicien des réseaux, enfin il fait tout, Salomon Rizzo, notre expert en patrimoine suisse, Luciano Barbieri, notre caméraman qui est auteur d'une grande partie des vidéos que nous avons sur notre site, et Dominique Queneau, notre photographe qui est absent aujourd'hui. Voilà Laurent. Pour ma part, je prendrai juste deux ou trois minutes pour vous dire que chez Storia Mundi, nous avons, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les salons du four avec lesquels nous testons cet échange de bons procédés. Hein. C'est notre deuxième expérience. Storia Mundi est une plateforme culturelle qui propose des visioconférences d'histoire de l'art, de sciences humaines en deux langues, en français et en allemand. C'est un petit peu un nouveau-né qui est né de la crise sanitaire que nous traversons tous et qui nous a conduit à transposer sur le web les conférences que nous avions l'habitude d'organiser en salle. Alors, ma foi, c'est tant mieux, puisqu'on aurait eu un mal fou à vous accueillir, Marc, à Strasbourg. Alors que là, ma foi, en ligne, on peut le faire sans aucun problème. Je vous invite, je ne prendrai pas plus de temps pour présenter Storia Mundi, dans le fond, ce n'est pas l'objet. Je vous invite à jeter un coup d'œil à notre site web. Vous y trouverez déjà pratiquement 200 conférences consacrées aussi bien à l'histoire ancienne, notamment la fin de l'Empire romain. Je profite de la présence de Justin Favreau pour lui demander une conférence sur les Burgondes. On a un grand intérêt pour l'Antiquité tardive. Donc aussi bien des conférences sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur l'histoire ou sur l'histoire de l'art. Et puis sur tous nos pays, en fait, hein, puisque dans le fond, Storia Mundi a une approche européenne et traite aussi bien de l'histoire de la Suisse, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, et tout ça, comme je vous le disais, en deux langues. J'ai été un petit peu long, je m'arrête là. Encore une fois, on est très heureux de vous avoir avec nous. Je vais couper cette
présentation pour vous rendre le plein écran et vous souhaiter une bonne soirée. Jean-Jacques, tu peux dire quelque chose sur cet épisode des Salons du Four? Oui, je vais dire deux mots là-dessus. Donc, je signais un livre sur l'architecture militaire des croisades au Salon du Livre, les livres sur les quais de Morges, quand tout d'un coup arrive un monsieur, non pas avec les châteaux des croisades dans les mains comme bouquin, mais avec la biographie de Dufour, il me demande une dédicace et il me dit « il faut que je vous parle, on pourrait se rencontrer après dans le bistrot d'en face ». Et alors j'ai dit « ben d'accord, allons-y ». Ce qui m'a tout de suite favorablement impressionné, c'est qu'il a commandé une excellente bouteille de vin, non pas les misérables 3 décis de vin vaudois acidulé. Donc, tout s'est bien parti, tout s'est engagé. Il m'a parlé de son projet et je lui ai dit, je le soutiens. Et je le soutiens pour une raison très simple, c'est qu'au moment des festivités du bicentenaire de la naissance du général, il y avait eu un radio-trottoir devant la statue du général, sur la place Neuve à Genève. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient interrogées. 9 personnes ont été incapables de nous dire qui était Dufour, la 10e étant curieusement un Italien et non pas un Suisse. Et ça m'avait frappé. Je me dis, c'est ignorance historique. C'est l'école qui ne fait pas son boulot, c'est peut-être l'État qui ne fait pas son boulot. Donc, il faudrait arriver à remettre, c'est le cas de dire, notre général en selle. Et pour ça, j'ai dit à Marc, tu peux y aller, tu as mon soutien. Oui, il y a aussi une autre anecdote. Quand je travaillais à mon livre sur ma biographie de Dufour, j'étais allé à la maison Dufour, j'avais sonné, quelqu'un d'extrêmement revêche m'avait répondu, m'a dit non, on ne visite pas, c'est pas possible. Et j'étais reparti. Bien, grâce à Marc, ensuite, j'ai pu voir la maison Dufour dans tous ses détails. J'ai retrouvé la liste d'ailleurs des premiers participants et on avait Jean-Daniel Condo, on avait François Dubosson qui est avec nous, qui est là, on avait Gérard Benz de Regretté. C'était une toute petite équipe au départ. Oui, ouais, alors il y avait Georges André, il y avait Armand Brulard, oui. Il y avait Pierre Flukiger, le directeur des archives d'État de Genève, il y avait ton gendre, là, Nicolas Hertz, on avait Bernard Lescaze, Marie-Zeu Ricon. On avait Dominique Ottenin-Girard qui avait signé le film sur Dufour que la RTS avait présenté en 2014. Et il faisait à l'époque cette émission sur les Suisses, sur l'histoire suisse à la télévision. Oui, absolument. Une émission très discutée et très contestée. Et on avait Martine Rickenbacher qui était avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, Martine. Oui. Notre historien de la cartographie. Et on avait Salomon Izzo qui lui est. Discrétion légendaire que vous verrez pas, mais qui est toujours présent. Et donc, voilà, on avait une belle équipe, ouais, puis on est content d'avoir quasiment tout le monde aujourd'hui et d'avoir étoffé cette équipe et d'avoir surtout des contacts avec les associations qui sont avec nous ce soir et d'autres. Et là, on a peut-être matière à pouvoir développer en tout cas des thématiques sur Dufour, comme on va le faire avec Dominique André sur les combats de montagne et sur le passage des Alpes de Souvorov. Là, on a quelque chose d'intéressant à peut-être développer entre associations d'histoire pour faire avancer l'histoire quelque part et surtout occuper le terrain d'une histoire qu'on veut voir disparaître quelque part. On a l'impression qu'il y a une certaine volonté de considérer que tout ce qui est l'histoire, c'est du mythe, et puis que voilà, la Suisse doit tourner la page. Et ça va jusqu'à une certaine volonté de même remplacer le 1er août par le 12 septembre 1848, comme la naissance de la Suisse moderne, en disant que tout le reste, eh bien, c'est du mythe, que la Suisse repose sur du mythe. Absolument. Et en fait, on est en train d'essayer de saper en fait, tout ce qui fait la Suisse. En fait. Et je pense que l'histoire est là pour supporter ça et pour défendre en tout cas notre pays à ce niveau-là. Il y a une quinzaine d'années, j'avais été chargé par la société militaire
de faire le discours du 31 décembre sur la treille. Et j'avais dit, vous verrez, un jour on déboulonnera, bas à l'armée, etc., on déboulonnera la statue de Dufour, en plaisantant, bien entendu. Eh bien, maintenant, on est en plein dedans. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les Allemands commencent aussi à déboulonner les statues de Bismarck. La vague verte s'avance, si j'ose dire. Oui. Oui, donc, c'est une période où il faut être vigilant, quand même. Ouais, tout et pour à moi, aussi, avec la gestion de cette maison, on est content que les salons soient unis à la fondation, parce qu'il suffit. On a vu le changement des mentalités en peu de temps et oui. Le bénévolat, bah, il est plus ce qu'il est. Bah, voilà, c'est un sacerdoce quasiment de soutenir des maisons comme ça et on peut pas les laisser partir. Bien sûr. Et donc il faut se battre et j'en appelle aux jeunes parce que on a besoin de sang neuf aussi. C'est vrai que l'armée n'a plus la vocation à faire des militaires pour des longues durées, donc il n'y a pas d'intérêt à se mettre vraiment dans des clubs ou des cercles ou associations militaires. Du coup, ça se ressent très, très violemment. Et tous les gens qui sont intéressés à l'histoire, ben, venez nous rejoindre, venez nous aider à porter cette flamme, et c'est vous qui allez reprendre cette flamme. Voilà le message qu'on peut faire passer, en tout cas, à la jeunesse. Bon, s'il y a un côté paradoxal, d'un côté, l'histoire est de moins en moins enseignée dans les écoles ou de manière biaisée dans les universités, mais parallèlement, il y a un extraordinaire marché du livre historique qui s'arrache et des revues historiques. Pas assez simple, on est un exemple. Donc, il y a une demande, il y a un appel vers l'histoire, mais pas d'une manière académique. Moi, j'ai très clairement le même sentiment. D'abord parce qu'on arrive à 4000 abonnés, ce que personne ne m'avait annoncé. Enfin, tout le monde riait au nez quand je parlais de 3000 abonnés. Je partage tout à fait l'avis de Jean-Jacques Langendorf. Disons, jusque dans les années 80, on peut dire que les professeurs d'université étaient les maîtres de la vulgarisation historique. Et puis qu'il y a une rupture, il y a une sorte de séparation entre le grand public et le monde académique, et qui a, à part quelques exceptions, il y a vraiment, c'est un d'autres personnes qui se sont chargées depuis l'heure de vulgariser l'histoire pour le grand public. Il y a vraiment eu un divorce. En 2015, je jouais Henri Guisan, le général de la Deuxième Guerre mondiale, dans un autre uniforme, bien sûr. Et puis un soir, le jouant dans la campagne fribourgeoise avec sept de mes acteurs, eh bien, un soir, on m'annonce dans le public une délégation de la Fondation et des salons du général Dufour. J'étais très honoré. Je connaissais un petit peu Dufour, mais à l'école, on en avait parlé rapidement. Comme beaucoup d'autres Suisses, je le connaissais mal. Et ces messieurs m'invitent à Genève, ici, dans cette maison, où j'ai tout de suite senti l'âme de cette maison. Ici, dans le bureau du général Dufour, eh bien, on sent son personnage, on sent la valeur de cet homme. Mais ces messieurs m'ont fait lire quelques ouvrages, dont en particulier la correspondance de Dufour avec son ami Adolphe Pictet et d'autres ouvrages. Et là, alors, je dois dire que j'ai été stupéfait de la beauté, de la grandeur, de la vie de cet homme. Si important pour nous, les Suisses, aujourd'hui. Et tout de suite, j'ai dit, ben oui, je vais le jouer, Dufour. C'est un privilège. Bien, d'abord, je veux vous féliciter pour votre anniversaire. Vous fêtez les 10 ans de Salon Dufour. Nous, cette année-ci, à la fin de cette année-ci, nous allons fêter l'anniversaire des 10 ans de notre association Albert Cohen Corfu. La première fois que j'ai entendu parler de Guillaume-Henri Dufour, c'était lorsque, dans les années 2014, nous avons donc commémoré Jean-Gabriel Hénard ici à Corfu. Et grâce à l'épouse de l'ambassadeur, Madame Christiane
Amberg. Elle m'avait parlé de Guillaume-Henri Dufour et le travail qu'elle avait fait. Alors, nous avons décidé de faire quelque chose pour cette personnalité qui a fait tellement de choses pour Corfou, jeune officier, donc il avait 23 ans, était envoyé d'urgence par Napoléon à Corfou, et en faisant donc l'amélioration des fortifications à Corfou, parce que Guillaume-Henri Dufour avait peur que les Anglais viennent bombarder Corfou pour prendre Corfou dans leur stratégie. Et en faisant donc l'amélioration des fortifications et en creusant, il est tombé vraiment sur des sites antiques qu'ils ont mis en évidence les années d'après. Guillaume-Henri Dufour, c'est le cartographe. Il a commencé à faire la cartographie ici à Corfou, où pour la première fois on parle d'élévation dans la carte. Vous pouvez la montrer, la carte? Oui, je vous montre donc. Vous pouvez voir. La carte avec les fortifications. Avec les fortifications. Hein. Il a été blessé ici à Corfou par les Anglais qui ont tiré dessus, étant dans une barquette. Vous vous rappelez, Marc, on a fait tout ça quand vous êtes venu en 2017 à Corfou, et on a jeté des couronnes dans la mer, là où Guillaume-Henri Dufour était blessé. Blessé, donc, il a beaucoup souffert, il avait des blessures très pénibles, et il a beaucoup pensé à tous ces soldats qui sont blessés pendant des guerres, qui ne sont pas soignés, ou qui sont soignés d'une façon empirique. Et je crois que ça a fait marquer ici à Corfou. Et l'idée de la Croix-Rouge a commencé à mûrir dans son cerveau. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi, c'est un cofondateur de la Croix-Rouge. En 1814, il part de Corfou. Et il écrit à sa mère, « Malheureusement, je dois quitter Corfou avec beaucoup de regrets. » Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il est venu ici à Corfou à 23 ans. Il avait 23 ans, donc c'est un jeune officier. Et c'est ici qu'il a commencé sa carrière. Je dois dire qu'on était fort impressionnés et on a appris beaucoup de choses. En lisant donc l'histoire de Guillaume-Henri Dufour, je suis vraiment étonné que ce jeune officier de 23 ans, il avait tellement de talent, tellement d'amour pour la cartographie. Je voudrais bien recommencer, Marc, une réunion à Corfou l'année ci ou l'année prochaine, hein, où vous êtes venus tous très charmants et chaleureux, et vous avez parlé, vous nous avez appris beaucoup de choses, notre histoire, parce que Guillaume-Henri Dufour fait partie de l'histoire de Corfou. Le Corfiot, malheureusement, ne connaissait pas Guillaume-Henri Dufour. Ils ont appris beaucoup de choses, ils ont appris qui était cette personnalité et qu'est-ce qu'il a fait ici à Corfou. Il faut dire que quand vous êtes venu ici, quand vos amis sont venus pour la deuxième fois pour offrir à la mairie un cadre de Guillaume-Henri Dufour, le maire de l'époque avait promis qu'il allait nommer, qu'il allait donner le nom de Guillaume-Henri Dufour sur une route de Corfou, juste à côté de la rue d'Angelot, un autre général de Napoléon. Malheureusement,
je vois rien pour l'instant, rien n'a bougé, donc vous pouvez peut-être écrire un rappel au maire de Corfou pour donner le nom de rue sur Guillaume-Henri Dufour. Maintenant, je vais vous montrer aussi l'album qu'on a sorti à l'époque, Marc. Ça, c'est l'album basique. Toi, tu as l'album rectifié, complété. Je trouve qu'il y a un très bon album ici. Je vous souhaite un bon week-end. Merci de m'avoir donné l'honneur de parler de Guillaume-Henri Dufour. Et j'espère à très bientôt. Maintenant, je veux remercier Madame Bouvier-Brun aussi, parce que c'est grâce à elle que nous avons fait cette réunion en décembre 2016 au Salon Dufour. Et c'est là qu'on avait décidé ce qu'on allait faire en été 2017. Je vous salue. Et je vous remercie pour avoir accepté cette vidéoconférence avec moi. Alors, merci à Marie-Anouche. Elle a travaillé tout le week-end. C'est un morceau très, très dur pour jouer au pied levé. On a essayé en test hier de faire, mais il y avait un effet Larsen insupportable. Et donc, on a enregistré ce matin le morceau pour que vous puissiez le voir ce soir. Alors, pourquoi Beethoven? Parce que l'année passée, c'était l'année Beethoven et on n'a rien pu faire. Donc, hommage à Ludwig. Et Marche turque, parce que nos amis de Corfou ont été les seuls à résister à l'Empire turc
à l'époque et les ruines d'Athènes, parce que Dufour, quand il était à Corfou, dans ses travaux de fortification, a découvert un temple ancien. Et donc voilà ces trois mots pour cet hommage à nos amis de Corfou. Alors, je fais vite une petite remarque préliminaire et musicale, c'est que ce qui aurait dû être joué, c'est non pas du Beethoven, mais c'est tout simplement En partant pour la Syrie, composé par la reine Hortense, qui a été l'hymne du Second Empire français, qui ne voulait plus jouer la Marseillaise pour des raisons évidentes, un morceau musical qui, entre autres, ravissait Dufour. Et il aurait peut-être mieux cadré que Beethoven dans le concept général, mais c'est un détail. La personne de Dufour a été incontestée et incontestable. Et il y a maintenant une sorte de vent de fronde qui souffle contre lui par des nouveas historiens qui relisent l'histoire d'une certaine manière. Vous avez une historienne genoise qui enseigne à l'Université de Genève, qui, dans un numéro récemment consacré à Dufour d'une revue historique, dans une préface, s'en est pris à son personnage en disant qu'au fond, c'était une sorte d'homme écran qui cachait derrière lui les problèmes, les turpitudes de la Suisse, et que cette figure unificatrice, si vous voulez, était tout simplement en sorte de masque qu'on avait remis sur l'histoire suisse. Et il ne faut pas tomber dans les pièges d'une historiographie très moderne et à la mode, qui est celle de la déconstruction. D'ailleurs, on se demande pourquoi les déconstructeurs ne se déconstruisent pas eux-mêmes, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne déconstruit pas un homme comme Bourdieu ou tous ces gens-là ? Mais toujours est-il que c'est une vue beaucoup trop moniche, beaucoup trop réductrice la personnalité de Dufour. Il y a eu une idolâtrie dufourienne, il faut remettre l'église au milieu du village, mais il y a eu une œuvre majeure avec des couacs, des défauts, c'est-à-dire une dimension humaine dont il faut tenir compte absolument. Donc ça, c'est peut-être essentiel. Là, il y a un certain nombre de points. Il y a eu des échecs chez Dufour, il y a eu des problèmes qui ont été posés qu'il n'a pas résolus. Et il y a surtout une chose, c'est la psychologie de Dufour a été très peu travaillée. Par exemple, personne n'a relevé ce qu'a été pour lui la chute du Second Empire et le départ pour l'exil de son grand ami Napoléon. Ça lui a retourné véritablement les sangs. Il y a des lettres où il essaye de consoler Napoléon qui est prisonnier en Allemagne et ensuite exilé en Angleterre. Et ça a été pour lui tout un univers qui s'est effondré. Pour lui, le Second Empire a été, il y a presque une relation amoureuse entre Napoléon III, son ancien élève, et lui-même. Et c'est une chose assez curieuse quand même. Cet homme, admirateur de Rousseau, républicain genois, se soit empiffé de deux hommes d'État, deux empereurs, le grand et le petit, comme disait Victor Hugo, qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État militaire et qui ont en plus banni tous leurs adversaires politiques. Il y a donc là un côté psychologique extrêmement curieux par rapport à Dufour. Oui, donc c'est surtout ça que je voulais dire. Il y a aussi une chose qui est frappante, je ne vais pas te tomber dans les considérations scientifiques par rapport à Dufour, mais son œuvre scientifique est là, elle est réelle, elle est très classique d'ailleurs. On pense au pendule de Foucault, à la gnomonique, c'est-à-dire la construction des cadrans solaires. Mais le 19e siècle,
est le siècle de la vapeur. Pas lui-même, d'ailleurs, l'a compris avec les chemins de fer, avec les travaux sur les chemins de fer, le financement des chemins de fer, mais il ne s'est pas du tout intéressé à la base du chemin de fer, qui est la théorie de la thermodynamique. Vous ne trouverez rien, là, c'est lui. Donc, il est resté très classique à ce niveau-là. Il y a encore une dernière chose que j'aimerais signaler, c'est l'extraordinaire fidélité Dufour en amitié. Et cette amitié, son ami le plus proche, son alter ego, a été le fils de Pictet de Rochemont, Adolphe Pictet, qui est un linguiste éminent, qui est en même temps un constructeur de fusées de guerre, un officier fédéral, un esprit tout à fait extraordinaire, un des premiers esprits du 19e siècle, disait Amiel. Et par conséquent, il a montré à ce Adolphe Pictet, s'occupant de son fils, etc., le soutenant financièrement, une indéfectible fidélité que l'on retrouve dans une très vaste correspondance de Dufour vers Pictet. Malheureusement, on a perdu les lettres de Pictet, elles sont introuvables. Donc, il y a cette extraordinaire fidélité de l'homme en amitié. Je pourrais aussi encore en citer d'autres, mais là, c'est vraiment la donnée fondamentale. Marc Schuder m'a demandé de dire pourquoi un dossier, c'est simple, à consacrer un dossier à Dufour sous la plume de M. Lablendorf. Je vous montre comme ça, voilà. C'était en octobre passé. Numéro qui a eu pas mal de succès, par ailleurs. Je vois les ventes au numéro. Et en fait, la question est un petit peu tautologique, parce que tout ce que vous venez de dire explique largement pourquoi il fallait consacrer un dossier à Dufour. La revue que je co-dirige avec Christine Mercier, elle est un peu autoporteuse, c'est-à-dire qu'en gros, les dossiers, les articles arrivent tout seuls, et puis on gère un peu le flux. Et là, c'est un des très rares dossiers que nous avons commandé. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait un dossier sur Dufour. Je vous dis, il y a des raisons vraiment objectives. Hein. Pas de Suisse moderne. On n'imagine pas 1848 sans Dufour. S'il y avait un autre général qui avait préféré faire une boucherie plutôt que la guerre d'Underbund telle que s'est passée, il n'y aurait pas eu de Suisse moderne. Ensuite, dans l'imaginaire, l'image de la Suisse, l'identité de la Suisse, le général Dufour est essentiel. Hein. Il est le symbole de la Suisse humanitaire, de la Suisse neutre, de la Suisse travailleuse, de la Suisse précise avec ses cartes. Enfin bref, il est totalement. Donc en fait, la question se pose pas. Voilà l'illustration. Mais j'aimerais évoquer très rapidement. Je vais pas vraiment me répondre parce que c'est pas vraiment ma place. Donc ça, c'est les raisons objectives qu'il fallait un dossier Dufour. Puis il y a des raisons plus subjectives. J'ai assisté alors que je lançais la revue à la remise des archives Dufour à la bibliothèque de Genève. Et il y a eu moi je suis pas un sentimental, mais il y a eu un moment extrêmement puissant. Hein. Enfin, moi je m'en souviens comme c'était hier. C'était un acteur, si ma mémoire est bonne, qui a lu d'abord du Sioran. Il a lu un texte de Sioran qui racontait combien les guerres civiles, c'était un texte très cynique, étaient particulièrement belles parce qu'elles étaient plus sanglantes, elles étaient plus cruelles, elles étaient plus abominables que toutes les autres guerres. Ça se vérifie à chaque fois qu'il y a une guerre civile. Quand on entend parler d'une guerre civile. Et ensuite, juste derrière, l'acteur a lu la lettre de Dufour qu'on a entendu des extraits à ses soldats avant de partir à la guerre. Et je me souviens que je me suis mis un peu à pleurer. Voilà. Moi, je ne suis vraiment pas un émotif, mais j'ai trouvé tellement puissant cette lettre, ce message de paix avant la guerre, ce message de modération. Donc, il y avait ça. Et puis, autrement, subjectivement, il y a une chose qui me fascine chez Dufour, qui me fascine aussi chez Dunant, en tant que vaudois, parce que je suis profondément vaudois, et on assiste à quelque chose de parallèle, enfin il me semble, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais à quelque chose de parallèle, différent mais de parallèle entre Genève et le canton de Vaud. Dans la même époque, les radicaux prennent le pouvoir et écartent
du pouvoir écarte du champ politique, plus ou moins, mais l'élite intellectuelle du canton. Et on voit tout à coup, à Genève, les Dunant, les Dufour se réaliser ailleurs, devenir une sorte de génie, parce qu'ils ne peuvent plus faire ce pour quoi ils ont été faits, c'est-à-dire gouverner leur canton. Et dans le canton de Vaud, on a le même phénomène, à beaucoup plus petite échelle, mais on a plein de gens extrêmement remarquables qui sortent, donc qui sont conservateurs, qui sont de l'Église libre, donc qui sont écartés du pouvoir et qui réalisent plein de choses extraordinaires, et des grands peintres, des grands médecins, etc. Et ça, c'est, je me suis dit, il y a un phénomène similaire et avec des résultats assez proches. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur Dufour, enfin comme néophyte. Acteur, j'ai joué le général Dufour, j'ai eu le privilège de jouer Dufour. Eh bien, ce n'est pas un travail d'historien, naturellement, pour l'acteur. C'est plutôt de ressentir son personnage. Et en le ressentant, on saisit son humanisme profond. Comment ça? Eh bien, ça donne de la clarté sur son passé, mais aussi sur ce que nous vivons aujourd'hui et sur demain. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce personnage? Eh bien, c'est modéré, sensible mais engagé, comme on l'a vu lors des violences qui ont précédé la guerre du Sonderbund. N'a-t-il pas dit « Je n'entends que déraisonner sur les affaires de Bâle et Neuchâtel. Cela me désespère. » Et puis aussi, où allons-nous? Des aveugles nous poussent dans un précipice. Vous voyez comme Dufour parle, en humaniste, en homme, mais aussi en personnage qui sait où il va. Et puis Dufour, c'est un homme conscient de la nécessité de l'unité du pays face au populisme actuel. Ni les uns ni les autres ne veulent faire de concessions. Il est à craindre qu'ils en viennent aux mains. L'exaspération est à son comble. Notre confédération ne bat que d'une aile. La plaie s'envenime au lieu de se cicatriser. Et Dufour, c'est l'indépendance face aux puissances. Si les orages venaient encore bouleverser l'Europe, est-ce que notre pauvre petite barque, la Suisse, échappera au naufrage? À Lucerne, Sigvard Müller souhaite la protection des monarchies étrangères. Autriche, France, Prusse, Sardaigne. Le conflit peut devenir européen. Et puis, une chose qui m'a beaucoup plu de Dufour, il a le sens de ses responsabilités. Et il ne se cache pas derrière des directives comme beaucoup de dirigeants actuels. Par exemple, quand malgré sa répulsion naturelle, il accepte le pouvoir, celui de commandant en chef de l'armée du Sonderbund, son autorité alors s'impose, incontestable. Elle est acceptée de ses collègues colonels, de l'état-major, mais aussi du peuple. Il dit qu'il a le sens du bien commun dans cette phrase. Le commandant en chef n'est pas plus que le moindre soldat. Il faut qu'il obéisse. Et à son état-major devant Fribourg, non, j'envoie un émissaire auprès des autorités de Fribourg. En leur dévoilant mon plan et nos forces, je les enjoindrai de se rendre pour éviter un massacre. Et puis Dufour, c'est l'absence de profit personnel par le pouvoir. Il dit « Je ne m'écarterai jamais des bornes de la modération et de l'humanité. Je resterai étranger aux excitations politiques et à leurs avantages. Ma satisfaction, ma seule satisfaction, faire respecter l'indépendance de la patrie et sa neutralité. » Et puis il livre aussi quelque chose de plus personnel.
sa foi, ses convictions. Quant à ses filles, il dit « Quoi qu'il en soit, rien ne peut atténuer ma ferme conviction que nous nous retrouverons dans l'au-delà, dans des conditions de bonheur et de progrès plus assurés. » Un homme de foi qui est un homme de bonté, car il aide son ami Adolphe Pictet quand celui-ci est en manque d'argent. Et quand il manque de l'argent pendant les 34 années du travail sur la carte générale de la Suisse, il paye de sa poche les collaborateurs quand l'argent manquait. Et puis, je n'oublierai pas cet acteur du four, je peux le dire, qui pleure le jour de son élection, qui lâche ses émotions. Je n'oublierai jamais que je mènerai une guerre contre mes propres compatriotes. Et Dufour, c'est un homme pétri d'humanisme. À la fin de ses lettres, ne disait-il pas « Aimez-moi comme je vous aime » Eh bien, 200 ans plus tôt, le grand La Fontaine terminait ses lettres en disant « Je vous aime, aimez-moi toujours. » Permettez-moi de poser une question à M. Langendorf. La campagne de Bâle de 1833 a-t-elle déjà fait l'objet de recherches et de publications détaillées ? Non, il y a quelques petites études, mais il n'y a rien d'approfondi, il n'y a rien de détaillé. Toute cette époque l'époque de la régénération, disons, militaire de la Suisse, a été extrêmement mal étudié, sinon même pas du tout étudié.